So did I. What? Je te mentirai là, non? Donc t'es pas végétarienne. Sérieux? Genre t'es vierge? Des mecs? Totalement. Ça va? Ouais, ça va. Désolée de t'avoir ghosté. T'as pas à t'excuser, j'ai été minable. Quoi? Non mais c'est juste que tu viens de marquer tellement de points là, t'as pas idée. On se doit rien. On se connaît pas. On est même pas vraiment amis. Mais je peux tout expliquer vraiment. Non, je m'en fous. C'est pas la peine. J'ai pas besoin de toi et maintenant t'es pote. Je suis très bien toute seule. J'ai l'habitude. T'inquiète. C'est pour ça que tu m'as invité. Pour m'aider? Non. C'est parce que quand t'es pas. Il est peut-être un peu jaloux. Jaloux? Pourquoi? C'est mon ex. Ton ex? Et c'est. Un mec? Ouais. On sortait ensemble avant qu'on connaisse Gaëtan. C'est ton mec? Ma sœur. T'as une sœur? Putain, la chance. Pourquoi tout le monde dit ça? Je sais pas. Parce que c'est vrai. C'est chelou si on se prend les balles, hein. Disons que t'es peut-être protecteur de maman maintenant. Surtout quand il y a une mascarin qui débarque. Vous entendez bien? C'est compliqué. Et il y a d'espoir. Disons que t'es peut-être un peu protecteur envers moi maintenant. Surtout quand il y a un médicament qui débarque. T'as une chute, je suis désolée. Non, vraiment pas. Je préfère que tu m'aies appelé plutôt que. Autre chose. Un date ce soir. Ah. Ok. J'ai pas de Lucas, moi. J'ai cru en avoir une. Une nuquette? Ouais. Mais j'ai tout gâché. Tu sais, moi j'ai déconné énormément aussi avec Lucas. Ça va passer peut-être. Quelle tête? La tête que j'ai fait quand Maya t'a ramené à cette soirée. Ça doit te faire plaisir, non? J'ai rien contre toi. Hein. Tu lui as dit quoi? La vérité. Je pensais que t'étais nocif pour elle. J'ai un problème d'addiction. Je m'en souviens. J'essaie de faire gaffe. Ça fait longtemps. C'est des fois, là. Je sais pas. Bah, va voir Lucette. Si elle t'aime, elle t'aime. Tu l'as aussi dit. Elle est en train de tomber amoureuse de toi. Elle le savait déjà, mais... Je sais que tu tiens à elle. Que ça fait chier. Elle a le droit d'être avec quelqu'un qui sera là pour elle. Qui prendra soin d'elle et qui se rendra compte que... Elle a de la chance d'être avec une fille comme Mayla, tu comprends?